Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le monde vers lequel nous nous dirigeons à plus d'un degré 5 de réchauffement et plus si affinité interpelle la capacité de chacun à s'adapter au mieux et au plus vite. Aussi l'enseignement, qu'il soit multimédia ou scolaire ou parental, de l'environnement est-il encore en phase avec la modification que suggère un tel bouleversement? En premier point, où en sommes-nous aujourd'hui de l'apprentissage du réchauffement climatique, de la transition énergétique et de toutes les thématiques liées à un environnement en pleine modification? A priori, dans les établissements scolaires français, l'éducation à l'environnement et au développement durable, appelé également EEDD, est au programme depuis 2004. On entend également parler de protection de l'environnement en primaire et également quelques notions sur le climat et l'énergie au collège. Cependant, c'est au bon vouloir du professeur de sciences et vie, ou encore de géographie, ou tout autre professeur. Le problème du climat est qu'il est transdisciplinaire, alors que chaque matière enseignée est bien cloisonnée. Du coup, les élèves reçoivent quelques informations à droite et à gauche, sans réellement avoir la capacité de tout lier pour mieux comprendre les interconnexions. À ce jour, il n'y a donc pas de matière dédiée au réchauffement climatique, énergie, transition et environnement. Pourtant, l'enjeu climatique est aujourd'hui la serrure par laquelle nous pouvons entrevoir notre futur, à tel point que l'accord climat de Paris le mentionne dans son article 12, imposant aux États d'améliorer l'accès à la formation. Excepté les notions nécessaires à l'émancipation de l'individu pour comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir l'intégrer de manière constructive, le cursus scolaire manque énormément de sens dans un monde de plus en plus chaotique et où l'avenir est coincé entre crise climatique, économique et sociale. Si cette situation paraît sombre pour les adultes, alors imaginez la clarté avec laquelle les jeunes voient leur avenir. Basé sur l'uniformisation des connaissances, pour intégrer un système bien paramétré qui attend patiemment de nouveaux contributeurs au PIB national, le programme scolaire est construit sur la relation étroite entre l'individu et sa future entreprise ou emploi. Le travail qui est devenu moteur de croissance et de richesse semble être l'unique chemin à suivre pour intégrer la société actuelle. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses personnes commencent à comprendre que sur une simple base mathématique, moins de matières premières signifie moins de consommation et donc un ralentissement forcé de notre rythme de vie. Retrouver alors une autonomie basée sur les besoins vitaux et se débarrasser du superficiel, coûteux, inutile et destructeur donne un sens aujourd'hui et supplante le désir d'une carrière riche et matérialiste. Alors quels sont les enseignements nécessaires au bon développement de l'être humain? Comment peut-il s'adapter au changement en cours? Le psychologue Abraham Maslow, né en 1917, nous donne une piste en expliquant très bien sa théorie dans sa pyramide des besoins, les 5 nécessités à la construction de l'homme. Premièrement, assouvir ses besoins physiologiques, il s'agit de la respiration, de la faim, de la soif, de la sexualité, du sommeil et de l'élimination. Une fois ces besoins assouvis, que l'on peut qualifier de minimum vitaux, arrive le second besoin, celui de sécurité. Le besoin d'un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Le troisième point chez l'humain est son besoin d'appartenance et d'amour, l'affection des autres qui lui permettent de vivre en société. Ensuite se déclenche en lui un besoin d'estime pour qu'il puisse inspirer confiance et respect, et une appréciation des autres pour terminer l'ascension par un accomplissement de soi. Voici donc les besoins vitaux de tout individu, ce qui signifie que le reste n'est que superflu. Pourtant, aujourd'hui, l'homme industrialisé semble préférer accorder une part majeure de son budget mensuel dans le superflu plutôt que dans le vital. À titre indicatif, dans les années 1950, le budget alimentaire représentait 20% du budget global des ménages, alors qu'aujourd'hui, il ne représente que de 2 à 5%.
ce remplacement des besoins élémentaires par nos désirs de superflu est la première cause qui déstabilise tous les fondements de l'individu et de son environnement. Pour satisfaire ses besoins vitaux, l'homme a donc besoin d'un air et d'une eau non polluées, son alimentation doit être équilibrée et saine, son environnement doit lui inspirer confiance et sérénité, et à ce moment-là, il se sociabilise et participe. Pensez-vous réellement que le monde actuel nous laisse penser que nos besoins vitaux sont et seront satisfaits ? Non, c'est bien là où l'on perd le fil avec ce que nous propose l'éducation actuelle dans sa méthodologie pour élaborer un citoyen lambda équivalent à un outil de production pour un système qui atteint ses limites en termes de ressources et de destruction, et qui ne peut donc plus promettre quoi que ce soit, ni même faire rêver le plus grand nombre. La quête de sens dans un monde qui s'effondre est difficile à trouver, pourtant elle réside en chacun de nous. Une pédagogie intéressante pour le développement de l'enfant est la pédagogie selon Montessori. Cette méthode créée en 1907 par Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, repose sur l'éducation sensorielle et sensible de l'enfant. À partir d'une posture particulière de l'éducateur, un environnement préparé et un matériel pédagogique spécifique, elle envisage l'éducation sous quatre plans de développement en fonction de l'âge. De la naissance à l'âge de 24 ans, en se fiant aux périodes sensibles de l'enfant, à différents stades, ainsi elle les regroupe en classes de 3 à 6 ans et 6 à 9 ans, leur permettant ensemble de développer le langage, le mouvement, l'ordre, ainsi que le comportement social. La recherche de cette pédagogie essentiellement reliée à la sensibilité de l'enfant et son épanouissement personnel en termes de créativité unique lui permet d'acquérir une réelle autonomie par une meilleure confiance en soi et de par ce fait une meilleure confiance envers les autres. L'élément essentiel au développement de l'enfant repose sur les interactions régulières qu'il entretient avec son environnement et ses congénères. Elles permettent la connectivité des neurones et leur développement. Dans les pays en guerre, certains enfants affichent des signes de mutisme et d'agressivité qui, après étude, ont démontré un manque de développement cognitif essentiellement causé par le manque de rapports sociaux dans la très jeune enfance. Alors que le jeune enfant apprend par ses actions avec ses congénères, on lui glisse aujourd'hui une tablette ou un smartphone entre les mains pour s'accorder un peu de tranquillité. Pourtant, de nombreuses publications scientifiques alertent sur l'usage de cette technologie qui diffère le comportement et qui est d'ailleurs déconseillée jusqu'à 13 ans. Les enfants ont un cerveau plus vif à la communication et à l'image, mais moins apte à la parole et aux relations. Du coup, ces égocentrismes placés au cœur d'un écran qui les préserve de toute souffrance quand ils s'ennuient, altèrent leur empathie. Alors, lorsqu'on entend parler d'innovation numérique dans l'éducation nationale, on peut craindre de tous ces écrans inondés de lobbyistes peu scrupuleux de formater les disques durs de nos enfants sans leur permettre d'avoir une réelle chance de correctement développer leur cerveau et donc leur réflexion. Selon Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français, certains élèves sont incapables d'apprendre à l'école car celle-ci est inadaptée et contraint à l'immobilité. Un enfant qui veut se dépenser ne peut pas, ça le rend malheureux, le contraint. Pourtant, l'action est un très bon tranquillisant et par ailleurs, l'école est devenue anxiogène. On dit aux jeunes, si vous n'avez pas le bac, vous serez au chômage, et en même temps, si vous avez le bac, vous le serez aussi. Voilà comment l'école est devenue une fabrique de l'angoisse. Pour terminer cette chronique sur l'enseignement en règle générale, je souhaiterais vous parler de Daniel Favre, docteur en neurosciences et professeur à l'université de Montpellier 2. Daniel Favre a identifié comment notre cerveau et donc notre individu se motive. Il décline le processus de motivation en trois types. Le premier est la motivation de sécurisation, qui permet à l'individu de satisfaire ses besoins fondamentaux biologiques et psychologiques. À partir de là, connu et reconnu pour ce qu'il est par les autres, il se situe en zone de sécurité, ce qui lui donne une assurance dans ce qu'il maîtrise. Il s'agit donc d'une référence externe, puisque cela dépend du contexte extérieur. Cette première étape est primordiale. Sans la sensation d'être en sécurité, il est très difficile de relâcher et donc de permettre à son cerveau de s'ouvrir à de nouvelles compétences ou connaissances. Le second type de motivation est appelé d'innovation.
parce qu'elle nous permet d'avoir du plaisir ou de la frustration en référence interne cette fois-ci. Cela peut être lors de la résolution de problèmes, par exemple, ou encore dans la rencontre avec les autres. Il s'agit de la motivation de l'apprentissage et de la découverte qui est étroitement liée à la première parce que sans sécurité au préalable, il n'y a pas d'apprentissage. Et le dernier, sinon tout serait parfait, est la motivation de sécurisation parasitée ou d'addiction, qui est finalement une déviation de la première. Le plaisir ou la frustration, ici, est ardemment recherché par le biais d'une dépendance, qu'elle soit relationnelle, comportementale ou encore une dépendance à des produits. La violence et la manipulation relèvent de ce modèle de motivation. L'autre, en face de nous, n'a plus un rôle de sujet si nous arrivons à le mettre sous notre contrôle et ainsi nous sécurisons notre espace et notre individu. Cette étude est très intéressante car nous comprenons mieux le mécanisme cérébral de notre motivation et comment nous pouvons également nous dédouaner pour soulager notre insécurité. Nous pouvons également la mettre en relation avec les besoins vitaux de Maslow et en conclure que la base d'un bon enseignement est donc de réussir à sécuriser l'individu pour lui permettre, par sa confiance trouvée ou retrouvée, de relâcher son esprit et de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Alors, soyons bienveillants et lucides et enseignons le réchauffement climatique, ses causes et conséquences pour aider les jeunes et futures générations. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.